Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, a réitéré son appel au dialogue au secteur de l'opposition politique. Le premier mandataire de la nation a plaidé en faveur d'une entente politique. Le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, reconnaît que la circulaire 114-2 impacte négativement certains agents économiques. Il estime toutefois que si ces dispositions n'avaient pas été adoptées, le dollar serait vendu aujourd'hui à 250 gourdes. L'Office de la protection du citoyen entend jouer le rôle de médiateur dans le bras de fer qui oppose le pouvoir exécutif aux associations de juges qui sont en grève depuis plus de 6 semaines. Le président de la République, Jovenel Moïse, a réitéré son appel au dialogue au secteur de l'opposition politique. Dans le cadre de cette démarche, le premier mandataire de la nation a plaidé en faveur d'une entente politique. Il a fait cet appel ce vendredi 26 mars lors d'une causerie avec la nation via les réseaux sociaux. C'est un secteur décidé pour un. Je suis bravo pour lui dans le pays. Je pense que je suis bravo pour le contentement. Route dialogue là, que je prêche depuis le premier jour, mon président. Et pourtant, un groupe de monde, avec dialogue, n'a pas l'air, c'est son dialogue de sous, il n'est pas intéressé à ça. Son seul bagage intéressé, c'est pérenniser le système. Et le système, ça, c'est les mêmes qui. Les produits insécurité, et puis qu'on y a, même le système n'a utilisé insécurité pour jeter le président. Pour mettre le président. Parce que l'on président pas voulu d'accord avec une série de contrats. Pas voulu d'accord avec le système basé sur ça ou pas bon, c'est bien j'ai tout. Abraham dit c'est assez. On nous chita ensemble pour nous faire un pacte vivre ensemble. Si nous avons un accord vrai, nous devons signer, mes amis, dans le pays. Son accord capable de chita sur un pacte vivre ensemble. Côté PIA, nous cap d'hôtel d'une nouvelle constitution. Parce que nous avons parlé des paroles qui passent à tout. Nous pas dit que la constitution, ça, les dit que nous n'avons pas droit à l'article dans l'article 284.3. Mais nous-mêmes, nous pas parlé de la constitution, ça. Nous parlons de l'autre constitution, nous n'avons pas de constitution, ça. Ça veut dire nous changer. Moi, je veux comprendre que je dis, il faut que. Nous avons un calme, une sérénité nous, pour nous aller droit vers deux gros chantiers à Nessa. Il y a un qui est le référendum, non? L'autre qui est l'élection. Parce que le peuple haïtien, que vous prenez engagement pour protéger la ville, c'est ça le mandat aujourd'hui. Ça veut dire moi-même, c'est lui le mandat. Et c'est pour ça que je suis là pour nous dire, on nous met ensemble pour nous balayer. Et c'est pour ça, nouveau leadership qui est dans la police aujourd'hui, moi je crois qu'il est ouvert pour tendre nous, pour nous travailler ensemble, pour nous travailler main dans la main, pour nous mener le pays à tout bon vœu sur votre changement. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, on est jeunes, mais pas oublier, nous-mêmes qui sommes petits, qui sommes petits, c'est pour nous travailler, pour nous quitter un pays meilleur pour nous demain. Mais pour le fait, c'est ensemble nous qu'on fait. Frère Maxime, qui est dans l'opposition, frère Maxem qui est dans la société civile, la force morale du pays, l'église, le peuple a bon mon commission, bon nous. Les dit nous, les pas attendre encore. L'État a aimé, ouais, pour une fois, nous marquer l'histoire, nous étonner le monde, nous mettre tête nous ensemble, pour nous faire pas vivre ensemble, pour nous mener le pays vers un demain meilleur. Le gouverneur de la Banque centrale reconnaît que la circulaire 114.2 impacte négativement certains agents économiques. Il estime toutefois que si ces dispositions n'avaient pas été adoptées, le dollar serait vendu aujourd'hui à 250 gourdes. Jean Baden-Dubois n'écarte pas la possibilité d'ajuster la dite circulaire. Cependant, il pense que si les autres acteurs, tels que le ministère du Commerce, ne jouent pas
leur partition, les efforts de la BRH ne seront jamais appréciés à leur juste valeur. En effet, selon le gouverneur, l'affichage des prix des produits en gourde pourrait solutionner en partie le problème. Si les transactions ne se font plus en dollars, personne n'aura besoin d'acheter des devises après avoir reçu un transfert en gourde. C'est là la lecture de Jean Baden-Dubois. Mais Banque centrale, toujours par réponse conjoncturelle, mais toujours à travail sur structurel. Fondamentalement, nous avons un gros déséquilibre macroéconomique et il faut le corriger. Ils sont seuls gens que le cas corriger, c'est à partir de la production. Il faut que nous produisions. C'est avec dollar ou descendre dollar. Regarde ça. Ce n'est pas avec goutte ou descendre dollar. Ou descendre dollar avec dollar. Donc, fonds de produits. Comment que de là nous vivons? C'est vrai que nous avons de la diaspora qui aide nous, mais faut nous exporter plus. Pour qui ça, Saint-Domingue? Saint-Domingue, il y a une variation de taux de change de plus de 12%. Mais personne ne va relambrer. Donc, pour qui ça, personne ne va relambrer? Parce que tout le bagaille est en peso. Et les gens qui ont besoin de là sont les gens qui ont besoin d'importer là-bas. Ce n'est pas les gens qui ont besoin, justement, à l'acheter dans Mintel, à l'acheter dans Mintel, et ainsi de suite. Ce sont des gens qui ont besoin d'importer. Et comme tout prix en peso, production en peso, mon en prêté en peso, donc à ce moment-là, il n'y a pas senti autant effet de en dépréciation du taux de change si c'était un pays qui a importé. Comme nous-mêmes, c'est importé, seulement on n'a pas importé. Chaque fois que le taux de change est déprécié, il fait nous vivre plus pauvres. Et voilà la raison fondamentale pourquoi justement la BRH accorde un intérêt particulier justement à l'évolution de la stabilité du taux de change. Le protecteur du citoyen, maître Renan Edouville, va porter les revendications des juges par devant le pouvoir exécutif. Selon le président de l'Association nationale des magistrats, Jean-Wilner Morin, qui en a fait l'annonce suite à une rencontre qui s'est déroulée ce vendredi. Toutefois, la grève est maintenue, indique le juge Morin, et les associations de magistrats demeurent fidèles à leurs revendications, a-t-il insisté. Dans l'objectif de trouver une issue à la crise, le protecteur du citoyen fait le pont entre le pouvoir en place et les juges, affirme Maître Morin. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Des associations de magistrats n'entendent pas garder le silence en ce qui concerne le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, pour paraphraser le juge Jean-Wilner Morin. Après 6 semaines de grève, les présidents des 3 associations professionnelles de magistrats, l'ANAMA, le RENAMA et l'APM, ont sollicité le concours de l'Office de la protection du citoyen pour trouver une sortie de crise. À l'issue d'une rencontre avec Rona Edouville qui s'est déroulée ce vendredi, le juge Morin évoque les échanges. Le protecteur du citoyen vient de nous dire qu'il a rendez-vous maintenant avec le ministre de la Justice pour débattre de la question. Nous attendons la réponse. Ce sont certes des discussions qui se sont déroulées dans le but de trouver une issue à la crise, affirme le numéro 1 de l'ANAMA, mais ce n'est pas encore la fin du mouvement. Une trêve n'est pas même envisagée. Lucide par rapport à cette situation, inconfortable pour les justiciables et qui cause des souffrances supplémentaires aux prisonniers, Rona Edouville, le protecteur du citoyen, va se mêler de la partie en tant que médiateur, explique Jean-Wilner Morin. Le défenseur des droits humains privilégié dans le pays, et ceci de manière constitutionnelle, comme dirait mon collègue, lui-même tout, les doués, fait en sorte que Mounsayo, qui est en prison, le monde qui a besoin de service à la justice, là, qui sont services publics là, ils ont joint, ils ont accès à la justice. Et comment ils doivent le faire? Ils pourraient porter les autorités de l'exécutif à entendre raison. Entre-temps, les magistrats restent fermes concernant leurs revendications. Le retrait des 2 arrêtés présidentiels, mettant 3 juges de la Cour de cassation à la retraite et en nommant 3 autres, ainsi que la réintégration du greffier Christophe L'Espérance. Nous sommes accrochés à ces 3 revendications. Nous ne négocions pas ces 3 revendications. On est clair, la grève est maintenue jusqu'à nouvel ordre. La justice
Est-elle une préoccupation pour le pouvoir exécutif? Sa paralysie lui est-elle profitable? Bref, qui reconnaît la véritable importance de ce pouvoir dont la PNH est un principe auxiliaire? Des questions que se posent des citoyens de la capitale révoltés par cette réalité. Cette démarche des magistrats est-elle un fait qui prouve que seuls les juges ont entendu les cris des justiciables et que l'exécutif de son côté fait preuve d'égoïsme? Nos revendications seront satisfaites. Pourquoi? Parce que juste, si je dis à nous accepter, de renvoyer trois juges à la Cour de cassation illégalement, inconstitutionnellement, demain, il y a renvoyé n'importe qui juge par on arrêté, et ceci nous connaît bien en Haïti, nous très accrochés à un bagage, nous toujours les précédents, nous pourrons profiter de un mauvais précédent, et puis pour faire que l'indépendance de la justice sapée, pas exister encore, et la justice parle aux mains de notre pouvoir. Au regard de la Constitution, et Jovenel Moïse lui-même le reconnaît régulièrement dans ses prises de parole en public, le président de la République est le garant de la bonne marche des institutions. Mais depuis un certain temps, ce sont des institutions qui se trouvent au centre du combat politique et qui en font les frais. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. C'est un vice de forme qui est à l'origine de la libération des 17 co-accusés du juge Yvickel d'Abrésil dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'État qui aurait été fomentée à Petit-Bois le 7 février dernier. Maître Patrick Laurent, le consultant juridique de Radio-Télé Métropole, a expliqué les tenants et les aboutissants de l'arrêt de la Cour d'appel rendu le mercredi 24 mars. Selon lui, l'action n'a pas été examinée sur le fond, mais sur la forme. Les juges de la Cour d'appel n'ont pas déterminé s'il y avait eu tentative de coup d'État ou non. Ils ont simplement statué après avoir constaté que l'arrestation du juge d'Abrésil et des 17 autres personnes présentes ont été faites en dehors de la loi, c'est-à-dire sans mandat du juge et après 6 heures du soir, sans qu'un flagrant délit ne soit constaté. L'avant-projet de la nouvelle Constitution comporte ses forces et ses faiblesses, selon Maître Chantal Hudicourt, avocate et constituante de la loi mère de 1987 amendée. De leur côté, les membres de la société civile mettent le gouvernement en garde contre toute précipitation dans le cadre des préparatifs du référendum constitutionnel annoncé pour le mois de juin prochain. Il faut beaucoup plus d'engagement et de concertation avant de passer au vote de toute nouvelle constitution, selon la présidente de l'ATH, Réina Forbin, Joseph Domingue Orgela et Francisco Jovin de la société civile. Ces déclarations ont été émises lors d'un forum réalisé sur l'avant-projet de nouvelle constitution ce vendredi à l'hôtel Montana. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Face à l'histoire et face à la société tout entière, il semble que plusieurs secteurs de la vie nationale veulent désormais assumer leurs responsabilités. Et alors que le référendum constitutionnel est prévu pour le mois de juin de cette année, vendredi, c'est l'Association touristique d'Haïti qui a réuni ses membres et d'autres organisations pour ouvrir le débat. La présidente de l'ATH, Réina Forbin, nous en parle. Donc on a déjà vu que la constitution d'aujourd'hui pose des contraintes. Si on doit effectivement faire un changement de constitution, ce qui est nécessaire, certes, mais on doit le faire en concertation avec les différents secteurs, mais aussi en voyant un peu plus loin pour éviter que dans 10 ans, dans 20 ans, on ait des contraintes par rapport à la constitution, la nouvelle constitution qui passera en juin, si ça devait passer. Pour évoquer l'avant-projet de nouvelle constitution, à côté des membres du secteur touristique d'Haïti, des socioprofessionnels et des membres de la société civile, Maître Chantal Hudicourt est avocate et constituante de 1987. 34 ans après, elle a fait une présentation pour accompagner et aider à comprendre l'avant-projet de loi soumis aux différents secteurs. Elle a tenu à faire comprendre les différences entre les deux textes. Le reproche adressé à la Constitution de 1987, c'est qu'il donnait beaucoup trop de pouvoir au Parlement et on a vécu l'utilisation de ces pouvoirs, on en souffre. Mais je pense que le projet qui circule maintenant transfère les pouvoirs ailleurs, c'est-à-dire au niveau du pouvoir exécutif. Donc on passe d'un extrême à un autre extrême dans le projet qui circule.
Maître Chantal Hudicourt, forte de son expérience et de ses connaissances, ne fait pas seulement des nuances. Elle propose. Mais le plus important, je vais vous dire, ce n'est pas uniquement venir avec une nouvelle constitution, mais qu'on nous se choisisse des élus qui ont la volonté de vouloir l'appliquer. Restent les membres de la société civile, assistants et intervenants au forum du secteur touristique sur l'avant-projet de nouvelle loi mère, Joseph Domingue Orjola, coordonnateur du secteur national de la société civile, et Francisco Jovin, directeur général du centre commercial Théodale, se sont exprimés également sur le sujet et ont fait part de leurs inquiétudes majeures. La proposition pour nous, c'est l'engagement citoyen. Parce qu'il est important de gagner un document qui est censé réguler le fonctionnement de la société. La société a bien engagé. Ça m'a même passé la donne, c'est que un gros projet comme ça, il demande du temps, il demande transparence, il demande disponibilité, il demande accessibilité. Ça, me le dit pas là, c'est que nous avons besoin de temps pour nous faire débat. Nous n'avons pas qu'à débattre dans préparer un document. Nous avons fait un débat parce que pas bien parlement. Nous dit comment nous allons changer la constitution. Le gouvernement haïtien met le cap résolument sur le référendum constitutionnel. Malgré l'opposition manifestée par de nombreux secteurs dès le départ à ce projet, tous reconnaissent que la constitution de 1987 amendée est source d'instabilité et d'ingouvernabilité pour le pays. Le simple citoyen pourra s'interroger, Haïti a-t-il vraiment un problème de constitution, un simple texte soumis aux caprices d'hommes et de femmes à qui on devrait au préalable enseigner la notion basique du vivre ensemble. Le vivre ensemble est ce néologisme politique constitué de normes et de modalités de cohabitation d'un groupe d'hommes et de femmes dans un espace donné doté d'un idéal commun. En démocratie, le lien social est vécu selon trois grands imaginaires, trois manières de figurer le vivre ensemble évidemment, le contrat social, l'universalité éthico-politique, la division spatio-temporelle. Et aujourd'hui se tient le débat sur le processus d'une nouvelle constitution à donner au pays. Mais à quand le débat sur les qualités que doivent avoir les hommes et les femmes qui sont appelés à l'appliquer pour un meilleur vivre ensemble? Guitry Choisy et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. On recommence à beaucoup parler de la question du référendum constitutionnel qui doit ouvrir la voie à des élections générales. Pour faire le point sur cette vaste question qui fait polémique d'ailleurs, nous avons avec nous ce soir sur le plateau de Metro News Jerry Tardieu, ancien député de Pétionville et surtout président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Bonsoir Jerry Tardieu, bienvenue. Bonsoir Serge Klein, toujours un plaisir de répondre à ton aimable invitation. Jerry, voilà. J'ai ici l'avant-projet que j'ai pris le temps de lire. À la lecture de cet avant-projet de constitution proposé par le comité consultatif indépendant, on a le sentiment que ces messieurs ont fait un travail sérieux, presque exhaustif, avec consultation de pratiquement tous les documents et avis existants sur la question, et également audition d'experts, une trentaine à ce qui paraît, aussi bien nationaux qu'internationaux. À l'évidence, il s'agit, c'est mon sentiment, mais je ne suis que béotien en la matière, il s'agit plus qu'un changement de constitution, il s'agit d'un changement de régime auquel nous assistons et qui consisterait, me semble-t-il, à passer d'un régime présidentiel un peu à la française à un régime présidentiel un peu à l'américaine. Quel est votre sentiment sur cette question? Quel que soit le bien fondé, les avantages, les actifs de cette proposition du comité consultatif indépendant, c'est un projet qui est voué à l'échec. Il est voué à l'échec parce que la Constitution, c'est l'affaire de tout le monde. Mmh. Et quand on adopte une nouvelle Constitution, quand on procède à une réforme constitutionnelle, il y a la forme, il y a le fond. Mmh. D'abord, dans la forme. Ce comité consultatif constitutionnel a été choisi par le président de la République et n'est pas représentatif des secteurs de la vie nationale. Un. Mmh. Deuxièmement, il nous dit que la validité de leur travail va se faire par référendum. Exact. Ce référendum va être organisé par un
d'abord illégal, puisque non prévu par la Constitution, va être organisé par un conseil électoral qui lui-même est aussi illégal, puisque monté avec des vices de forme, sans consensus politique et sans assermentation devant la Cour de cassation. Exact. Pire, c'est que l'arrêté qui parle, qui introduit le référendum, nous fait comprendre que l'on pourra voter soit avec sa carte d'hémalogue, sa carte mathématique, son passeport, sa licence, son carte d'identité. En fait, nous allons voter un peu n'importe comment, avec n'importe quoi, dans une opération sans liste électorale partielle, voire liste électorale complète. Donc, processus ça, Serge Klein, n'est pas ni participatif, ni inclusif, ni constitutionnel, ni légal, ni logique. Donc, bon problème, c'est que document ça qu'on gagne devant, c'est vision président de la République là, peut-être avec famille politique là. Si on joue, on a gagné une vraie concertation nationale côté secteur représentatif, vie nationale là, chita son table, il y a qu'à défendre une position. Mais ce document ne reflète que leur position, jamais celui de la nation. Moi, j'ai été, et vous l'avez dit, président d'une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Avant nous accepter position ça, moi, j'ai été dit, président Choiseul, Chancy, président de la Chambre des députés à l'époque, 9 députés, pas capables de chita, y a pensé pour un pays. Moi, j'ai demandé un mandat de 2 ans, dont 1 an pour nous faire une consultation nationale. Que vous avez fait? Nous venons ici, nous recevons nous, nous passons dans tout le pays, dans la diaspora, nous attendons ça, nous sommes dans le Jacoud. Et pendant une autre année, nous travaillons pour nous présenter un projet d'amendement qui est marié avec sa pays à demander. Les fameuses 30 propositions. Correct. Donc, nous estimons, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons rendu public un document qui est ce que pense la nation. Nous estimons que lorsqu'on parle de constitution, il faut qu'il y ait consultation. Et il faut qu'il y ait validité des secteurs représentatifs de la vie nationale. Ça, c'est sûr, naturellement, la forme et le processus. Maintenant, sur le fond, Serge Klein. Oui. Sans vouloir rentrer dans une analyse, puisque au fond, ça nous prendrait toute la nuit. Oui, oui. Je dirais que il y a une différence fondamentale entre la philosophie qui a guidé ce comité consultatif indépendant et celle qui avait guidé la commission Tardieu. Tardieu de mon nom, parce que j'étais le président dans le langage parlementaire. Nous étions guidés par 3 principes. Nous voulions rééquilibrer les pouvoirs, responsabiliser le président, restructurer l'État et les institutions, les 3 R. Responsabiliser le président, parce que malheureusement, avec la Constitution de 1987, il est un mineur. Conçu comme mineur. Rééquilibrer les pouvoirs, parce que nous sommes conscients qu'il y avait trop de pouvoirs entre les mains du Parlement, donc il fallait rééquilibrer les pouvoirs et restructurer l'État et les institutions parce que nous pensions que pour la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, pour le Conseil électoral, pour le pouvoir judiciaire, pour l'armée d'Haïti et pour plein d'autres entités, il fallait peaufiner, arranger pour favoriser la fluidité, la gouvernance d'État. Qu'a fait ce comité mis en place par Jovenel Moïse? La philosophie de laquelle ils se sont inspirés est plutôt une philosophie basée sur les 3D. Déséquilibrer les pouvoirs, déresponsabiliser le président et déstructurer l'État. Prenons-les un après l'autre. Déséquilibrer les pouvoirs. Cette proposition met tous les pouvoirs entre les mains de l'exécutif au détriment du législatif et du judiciaire. D'ailleurs, le Sénat est éliminé. Cette proposition déresponsabilise le président. Parce que l'article 139, qui fait tellement couler beaucoup d'encre, donne quasiment une impunité totale au président pendant son mandat et après son mandat. Et troisièmement, déstructurer l'État et les institutions, il ne reste qu'une Assemblée nationale, Parlement monocaméral, réduit à sa plus simple expression, une Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif réduite en peau de chagrin, un pouvoir judiciaire qui n'a plus son indépendance. En fait, et grosso, en gros, nous dirons que dans la forme, comme dans le fond, ce processus a mal été mené et malheureusement peut nous amener à beaucoup plus d'instabilité, de chaos à l'avenir. Pourtant, dans le préambule de cet avant-projet, il est dit clairement « La Constitution de 1987 constitue une source d'instabilité. » Je suis la première personne qui, sur ce plateau, a accepté que cette Constitution mérite
modification, mmh. arrangement, réforme, ouais. révision, ouais. retouche, ouais. appelons-le comme on voudra. Mmh. Constitution, ça, besoin de passer main la donne. Okay. Par contre, moi, c'est le premier monde tout qui comprend. Et qui t'a remis tout le monde capitaine de nous là, comprendre que là, c'est constitution, ou pas qu'à moi, n'importe qui gens. Mmh. Faut que c'est un consensus sociétal, faut que c'est yon. Tout le monde ne sera pas toujours tout le temps d'accord. C'est évident, ça va de soi, c'est une vérité de la palisse. Par contre, la consultation est importante. Les protestants, les catholiques, les vaudouisants, les universités, les artistes, l'école, l'éducation, la diaspora, les corps constitués de l'État, les femmes, les paysans, la jeunesse, tout ce monde-là doit être constitué en amont souvent pour monter une assemblée constituante qui soit représentative, non pas en aval où un comité prépare un document et demande à valider ou à retirer des points et des points virgules. Ça ne fonctionne pas. Oui, bon, mais si on les entend parler, ils ont consulté largement aussi. Ils ont, disent-ils, contacté tous les différents secteurs de la société civile, les grandes institutions, etc. Bon, ils l'ont redit eux-mêmes. Serge Klein. Non, je pose la question. Je comprends, vous êtes un journaliste, et c'est bien, puisqu'il faut avoir de la mesure et de l'équilibre. Moi, votre serviteur, j'ai fait un an à faire une consultation nationale. Exact. Je sais ce que ça veut dire que consulter les secteurs vitaux, les forces vives du pays et représentatives de la vie nationale. Et c'est une chose que de dire qu'on a rencontré quelques personnes qui peuvent vous donner leur feedback, mais c'est une autre chose que de faire quelque chose de systématique, de profond, de réfléchi et d'organisé. Nous avons produit un document de 600 pages qui est intitulé « Ce que pense la nation », avec un résumé de tout ce que nous ont dit les secteurs de la nation, mais en s'assurant, Serge Klein, qu'il y ait en annexe de ce document tous les aides-mémoires à l'écrit reçus des différents secteurs. Donc, nous demandons à la société de consulter ce document qui présente les positions des différents secteurs de la vie nationale et ils comprendront qu'entre la consultation que nous avons faite, qui était sérieuse, réfléchie, organisée, et celle qu'on nous présente comme étant une consultation nationale, il y a un monde de différence. Bon, mais Jerry Tardieu, vous serez quand même d'accord avec moi que ce n'est pas le premier venu qui peut lire, comprendre, apprécier et analyser un document de 600 pages. Ça me d'accord, bon. C'est même un calvaire. C'est l'opéré mon monde, vous, et le libéral. C'est pas moi. Non, parce que tous les référendums, enfin bon, la France a connu un certain nombre de référendums puisque ce n'était pas interdit par la Constitution. Tandis qu'aujourd'hui, le référendum est interdit par la Constitution. Oui. Oui, mais il propose de changer ça. La nouvelle entre autres, constitution c'est une des propositions qui est faite. Et parmi les propositions qui sont faites, Serge Klein, et je ne le dis pas en l'air. Et quand je dis qu'il y a une velléité de ces concepteurs de ce nouveau projet de constitution de mettre tous les pouvoirs entre les mains d'un président roi, il n'y a qu'à aller voir dans les... N'était-ce que dans les articles qu'ils ont retirés de la Constitution de 1987, Amandi. Prenons-en deux ou trois, au hasard. Pourquoi avoir retiré l'article qui dit que les forces armées d'Haïti sont apolitiques? Cela fait le lit des apprentis dictateurs qui diront que les forces armées d'Haïti peuvent prêter allégeance à un président de la République. Pourquoi avoir retiré l'article qui disait que le culte de la personnalité n'est pas permis? Cela ouvre la voie à tous nos apprentis dictateurs de faire nommer tous les lycées publics de ce pays en leur nom ou leurs amis ou leurs alliés, leurs familles. Ouais. Pourquoi vouloir retirer la police nationale sous le ministère de la Justice? Et il y aura probablement des dirigeants qui, dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, la mettront sous les ordres du ministère de l'Intérieur. Tout est fait dans cette constitution pour mettre en place un régime présidentiel fort qui ouvre la voie à une satraperie, à une dictature, parce que l'équilibre des pouvoirs a sauté. Tout a été mis entre les mains de l'exécutif et malheureusement au détriment du judiciaire et du législatif. D'ailleurs, il y a des entités qui en ont payé le prix. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, formée de 9 membres, 4, selon la proposition, sont nommés par le président de la République. Et 3 par...
Et le reste, prend le président de l'Assemblée nationale, ce qui est le plus souvent issu de la majorité qui a conduit le président au pouvoir, ce qui fait qu'au fond, on risque de se retrouver avec un organe devant régulariser, réguler les comptes et nous assurer d'une reddition de comptes à l'intérieur de l'État qui sera totalement asservi par l'exécutif. Donc tout cela cause problème et je pense qu'à quelques jours du 34e anniversaire de la Constitution de 1987, bien qu'elle ait des problèmes et qu'elle doit être revue, corrigée, il était de mon devoir, pour tout le travail que j'ai fait au niveau de la Constitution, de mettre en garde sur la forme comme sur le fond de cet avant-projet constitutionnel qui risque de nous amener vers beaucoup plus d'instabilité, alors qu'aujourd'hui nous avons besoin de sérénité, de paix, de progrès et d'avancement. Essayons d'aller un petit peu plus au fond des choses, Jerry Tardieu. Bon, vous avez condamné la forme de manière totale à 100%, aucune des règles n'ont été respectées, très bien. Maintenant, pour ce qui est du fond, disons que vous avez un peu rejeté quoi, entre 80 et 90% des propositions qui ont été faites. Pour autant que... Je n'irai pas jusque-là. Non. Pour autant que la forme n'ait pas été respectée, ça contamine tout l'exercice et le processus. Maintenant, il y a des dispositions qui sont prises, qui sont intéressantes et qui s'apparentent à un copier-coller au rapport de notre commission. Faisons un petit bac en arrière, comme on dit ici. De combien de membres se constituait le groupe qui a concocté la Constitution de 1987. Combien de membres? Je ne me rappelle pas, mais c'était un groupe qui était représentatif des différents secteurs. Il y en a moins qui... de 10, non? Ah non. Alors, beaucoup plus. Je pense qu'ils étaient une soixantaine, je crois. Il faudrait vérifier. Oui. D'ailleurs, je faisais une recherche l'autre jour et j'ai malheureusement constaté que beaucoup des anciens constituants nous ont laissés. Hein. Ils sont très peu à encore être là. Le docteur Georges Michel est là. Il y a les plus jeunes à l'époque. Il y avait Jacques-Michel Saint-Louis. Il y avait Jacob Latortue. Et Rino Georges était aussi un constituant à l'époque. Mais beaucoup d'entre eux sont partis. Ouais. Ces constituants nous ont donné une constitution, il faut l'avouer. C'était une constitution qui nous faisait passer d'une dictature présidentielle à une dictature parlementaire. Maintenant, notre ambition était de rééquilibrer les pouvoirs. Malheureusement, on en retourne à nos vieux réflexes. Cet avant-projet constitutionnel nous remet encore vers un régime totalitaire. Et c'est l'histoire de la vie politique haïtienne. C'est des batailles. Nos 22 ou 23 constitutions, il y a toujours eu des constitutions qui étaient soit libérales, 24. Soit autoritaires. Celle-ci serait la 25e. 1806 était une constitution libérale. Ouais. 1816 était autoritaire. 1932 était libéral. 1935 sous Vincent, autoritaire. Ouais. 1964 était autoritaire. Ouais. Libéral en 57. Il y a toujours eu cette bataille entre les tenants de l'opinion qu'il faut une constitution autoritaire, une constitution libérale. Nous, de la commission que je présidais, nous disons pourquoi toujours verser dans les extrêmes? Pourquoi ne pas arrondir les angles? Pourquoi avoir soit une constitution qui fait le lit d'une dictature présidentielle ou avoir une constitution qui fait le lit d'une dictature parlementaire? Pourquoi, une fois n'est pas coutume, nous ne pouvons pas avoir sur une table un dialogue franc et sincère pour en arriver à une loi mère équilibrée? Équilibrée comment? C'est que les trois pouvoirs, le judiciaire, l'exécutif et le législatif est droit de citer. Si nous avons fait choix de la démocratie, il faut nous assurer que ces pouvoirs aient une manière de fonctionner et soient totalement autonomes. Tout à fait d'accord, Jerry Tardieu, mais il y a un proverbe qui dit « Il n'est pas toujours nécessaire de réinventer la roue ». Il y a des tas de pays qui ont des constitutions dans le monde qui marchent plus ou moins bien. Aux États-Unis, il y a une seule constitution et 27 amendements. En France, on en est à la 5e République, c'est-à-dire 5 constitutions depuis l'origine de la République en France. Bon, les Anglais n'ont pas de constitution écrite, mais ça, oui, c'est... ça, bon, c'est une autre période. Ils sont toujours à part. Ils sont à part. Alors, pourquoi donc ne pas essayer de... Moi, j'ai eu le sentiment que la Constitution de 80
87 était très fortement inspiré du système français. Avec un président, un premier ministre, etc. C'était très... Et la Ve République, c'est un système hybride qui... Voilà, qui... bon, exactement. Mais là, donc, on en arrive pratiquement à un changement de régime. Est-ce que vous êtes pour la suppression du premier ministre remplacé par un vice-président, par exemple? Dans notre proposition, nous avions proposé le changement de régime dans le sens qu'il nous fallait... arrêter... Tout ce cinéma de tous ces premiers ministres désignés qui devaient passer à la caisse et payer des dessous de table aux parlementaires, ceux qui arrêtaient le fonctionnement de l'État, ceux qui encourageaient la corruption. Oui, tout à fait d'accord. Donc pour nous, bon, éliminer le poste de premier ministre, c'était important. D'autant plus que notre commission a réussi un pari que certains ne pensaient pas que nous étions en mesure de le faire. Nous avons réuni 9 anciens premiers ministres pour leur dire, qui d'autre que vous, aux commandes des machines, peut nous expliquer les problèmes, les goulots d'étranglement au niveau de la Constitution. Au contraire, dit-nous, Serge, tout dit-nous même bah, question premier ministre, non, pas marché. Cependant, soit pour retirer premier ministre non, pour l'État marché puis bien, ou pas qu'à remplacer par un système quand on met tout pouvoir dans mes présidents, un hyper-présidentialisme, sans garde-fou, avec un judiciaire qui, aujourd'hui, n'a même pas droit de citer dans la nomination des juges, avec un Parlement réduit à une Chambre des députés qui n'est qu'une caisse de résonance, parce que ce qu'il nous propose aussi, c'est que contrairement à ce que prévoit la Constitution de 1987, le Parlement ne peut plus légiférer sur tous les thèmes d'intérêt public. Il y a des thèmes bien spécifiques sur lesquels ils peuvent se prononcer. Il y a encore d'autres accords qui vont mettre à mal la démocratie. On nous propose des circonscriptions électorales basées sur une taille de population. Je comprends. Ça se fait dans des pays. Mais dans des pays où il y a des statistiques et très claires, où on connaît la population des différentes sections, des différents quartiers. Et en admettant que dans la grandeur, on veuille échantillonner 200 000 personnes pour définir une nouvelle circonscription électorale. Il va falloir mettre ensemble Beaumont, Duchiti, Corail, Bestel, Roseau. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fond, on aura une seule personne pour représenter toutes ces communes. Ça veut dire que l'ancrage qui existait avant entre les représentants à la Chambre et leur population sera dilué. Pire, élection gagnante au premier tour. À Pétionville, Serge Klein est candidat à la députation. Il fait 100 voix pour une maison ou une autre. Il est élu au premier tour. Tout ça, ce sont des problèmes. Scrutin majoritaire à un tour. Il n'y a pas d'assignation à résidence. Ça veut dire qu'il y aura des parachutés à travers le pays. Ça veut dire que... Non, il est prévu quand même, il faut que cette personne réside depuis un certain nombre d'années dans la commune qu'il veut représenter. Il va falloir... De 3 ans ou 5 ans, va changer. Pour autant que ma mémoire ne me fait pas défaut, je te donne acte de ce que tu dis, mais l'assignation à résidence, me semble-t-il, dans le document que j'ai, a été mis de côté, ce qui va causer problème. Parce que dans des pays comme la France, ça se fait, mais dans un pays comme Haïti, c'est difficile... d'anticiper qu'un Jerry Dardieu peut être parachuté et devenir député du Terrier Rouge, une commune où il n'a jamais vécu et où il n'a aucune attache. Au moins, si c'est dans un pays, grand-papa et Cora ou bien Vestel, je comprends, mais des côtés, D'accord. Bon, et bien, et Jerry Dardieu, on pourrait continuer encore longtemps. Bon, j'avoue que ça m'a fait un peu mal de vous entendre au début de cette interview déclarer de manière presque péremptoire que ce projet de constitution était voué à l'échec la manière dont c'est fait. Bon. Mais est-ce qu'il y a quand même moyen de corriger le tir? Il y a quand même 2-3 choses qui ne sont peut-être pas tout à fait nulles. J'ai vu qu'il était prévu je ne dis pas. La création d'une cour constitutionnelle. Tous les juristes du pays réclament la cour constitutionnelle depuis des années. Cour constitutionnelle, c'est quand même quelque chose de sérieux. En ce qui concerne les constitutions, ils sont là pour dire la vérité constitutionnelle. Ce n'est pas rien. Est-ce que la Cour constitutionnelle ne représente pas une espèce de garant contre les dérives dictatoriales de X ou Y? Absolument, sauf que le Conseil constitutionnel, il est déjà là, dans la Constitution de 1987. Malheureusement, nous avons toujours eu des dirigeants qui n'ont pas compris la nécessité de mettre en place nos institutions. J'aimerais dire quand même, en guise de mot de la fin, je suis un homme de passerelle, de dialogue et toujours dans une logique d'inclusion au lieu d'exclusion.
et une logique d'unité au lieu de divergence. Cet avant-projet constitutionnel tel que conçu dans la forme et dans le fond vont malheureusement hypothéquer les possibilités que nous avons ensemble de nous doter d'une loi mère capable de nous aider à faire avancer le pays à l'avenir. La crise politique haïtienne, elle est globale, elle est multiple. Elle doit être résolue à travers un accord politique global. On ne peut pas dire, ah, il y a un problème sécuritaire, il faut le résoudre comme ça, il y a un problème de CEP, il faut le résoudre comme ça, il y a un problème de la Constitution, il est prêt à part. Non. Il faut un accord global, il faut une entente. Global, il faut une vision. Global, où on va prendre tous les irritants, tous les problèmes et avoir un accord sociétal, un consensus des forces vives du pays sur la question constitutionnelle, comme sur les questions électorales, comme sur la question sécuritaire, comme sur la question de gouvernance, comme sur la question de tous les projets, de tous les problèmes fondamentaux que nous devons résoudre dans le pays. Très bien, Jerry Tardieu, mais vous savez très bien que pour qu'il y ait accord, il faut qu'il y ait dialogue. Et le dialogue est, jusqu'à nouvel ordre, la chose la plus difficile à organiser en Haïti. Comme je le dis toujours, il faut être deux pour dialoguer. Rien n'est facile dans la vie. Non seulement il faut être deux, mais il faut... Minimum. Aussi, non seulement il faut être deux, mais il faut aussi... Non seulement il faut être deux, mais il faut aussi comprendre qu'on ne peut négocier, qu'on ne peut dialoguer qu'avec son adversaire. Je suis d'accord sur ce principe de base, mais il y a un problème. Ce temps-là, me semble-t-il, est dépassé en raison de l'incapacité du président à s'élever au-dessus de la mêlée et lorsqu'il était président de pouvoir mettre les protagonistes sur la table. Prenons l'exemple du Chili. Le président Piñera était en difficulté. La population chilienne disait, nous voulons changer la constitution car elle est un héritage de Pinochet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, question constitution, ça ne peut pas être de mon apanage. Je suis allé à l'école. Et il appelle la société civile, il appelle les partis politiques, il leur dit, entendez-vous, donnez-moi une proposition de constitution. Voilà comment un chef d'État peut planer au-dessus de la mêlée. Aujourd'hui, dialogue très difficile, effectivement. Peut-être que impossible. À la limite, je dirais, probablement qu'une médiation, quelque part, peut amener un honnête broker ou une autorité morale à prendre la position des uns et des autres et à faire... une proposition d'accord. Bon, il y a eu les églises, il y a aujourd'hui... Il n'y a pas encore eu ça. Il y a eu des facilitations, il n'y a pas encore eu l'intermédiation. De toute façon, on n'en est pas encore là parce que toutes ces dispositions-là n'aident pas aussi à ce qu'on aille au dialogue. De toutes les façons, que ce soit dans un jour, dans un mois, dans un an, dans deux ans, arrivera le moment où ensemble, nous aurons cette véritable table ronde où nous pourrons ensemble décider de la meilleure constitution pour Haïti. Aujourd'hui, dans la forme comme dans le fond, l'option choisie par le président de la République va nous mettre plus loin de la démocratie que plus près. Bon, Jerry Tardieu, un tout dernier mot. Partons de l'hypothèse que, comme vous venez de nous le montrer, ce projet, cet avant-projet de constitution est voué à l'échec. Imaginons que le référendum... ce soit le non qui l'emporte contre le oui, Cotton Bralé. Je ne pense même pas qu'on doive raisonner en ces termes-là. Je pense qu'avant même qu'on en arrive à cet échéant, je pense qu'il y a une prise de conscience à prendre d'abord par les acteurs de la société civile, les acteurs politiques et la société pour faire échec et barrage à ce processus tel qu'il est aujourd'hui lancé. Je le redis encore une fois, ce document concerne le président de la République, sa famille politique, et probablement, quand un élu opportun, ils auront à le présenter, à le défendre. Il n'y a pas de problème. Tout le monde doit être portable. Mais pour le moment, c'est un document qu'on impose à un pays. Et malheureusement, c'est un document qui aujourd'hui, malheureusement, est beaucoup plus source de conflits. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de sérénité. Nous avons besoin de paix. Et il y a des non-dits aussi dans ce texte. Moi, je me suis beaucoup battu pour les droits de la diaspora. C'est vrai qu'on nous dit que la diaspora, il y a une velléité d'intégrer la diaspora. Mais je ne vois nulle part. Par des représentants à l'Assemblée. Sauf que, oui, nous avions aussi proposé cela, sauf que je ne vois nulle part que le droit de vote des Haïtiens vivant à l'étranger est admis, que les Haïtiens vivant à l'étranger en qualité d'électeur. Alors ça, ce sont des choses
qui quand même, moi, personnellement, par rapport au combat que j'ai mené, et me mettre dans une situation extrêmement embarrassante. Pourtant que je ne me retrouve pas dans la forme, mais dans le fond, je serai le premier à me mettre debout contre l'inacceptable. Pourtant que les conditions sont réunies, je serai toujours le premier à concilier, à avancer au profit d'Haïti, car aucun sacrifice n'est trop grand. C'est un trop beau, trop grand pays pour que nous en soyons arrivés aujourd'hui là où nous en sommes. Eh bien, nous allons terminer sur cette belle phrase et ce beau souhait, Jerry Tardieu. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Metro News, nous donner votre sentiment sur cet avant-projet de constitution et la manière, aussi bien dans le fond et dans la forme, que cela a été fait. Bon, du côté du gouvernement, les préparatifs vont bon train, en particulier pour la préparation des élections. Ce document a tranché la fin du mandat présidentiel est le 7 février 2022. C'est marqué noir sur blanc dans ce document, dans les pièces transitoires. Bon, donc on a quoi? On a encore moins d'un an à attendre, quoi. Quelques 8 mois encore pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés. De toutes les façons. La vie, ce n'est pas tant la victoire que le combat. Mais le combat pour les causes nobles. C'est ça. En ce qui a trait à la question constitutionnelle, je sais que tous celles et ceux qui, comme moi, questionnent ce processus dans le fond et ce contenu sont du bon côté de l'histoire. L'histoire jugera. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Jerry Tardieu. Plaisir partagé. Voilà, c'était M. Jerry Tardieu, ancien député de Pétionville, et surtout, vu le sujet qui nous a accaparé ce soir, président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Bonne fin de soirée. Ex-président. Oui, non, bon, enfin, les ex-présidents, on les appelle toujours présidents. D'accord, je voilà. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous, et à la prochaine, même heure, même chaîne.